D'abord, je te laisse, mais épargne sa vie. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu a fait une fille avec Satan, Job a souffert. Job a vu la galère dans sa vie. Pourquoi? Seulement simple. Dieu a voulu se vanter. Il lui dit, ah, oh, mon fils, là, il est intègre. T'as vu mon fils? Comment il est? Il marche droit. Dieu a fait des éloges. Parce que Job était un homme sans reproche. Mais, seulement, comme c'était le pari de Dieu, Satan l'a frappé. Pour voir si Job ne va pas changer le comportement des conduites. Job a souffert. Mais jusqu'à la fin, Job n'a pas dit un mauvais mot, n'a pas maudit l'Éternel. Et si nous regardons la Bible, la suite, Dieu l'a restitué tout ce qu'il avait, plus même au-delà de ce qu'il avait. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous regardons encore notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était 100% Dieu, 100% homme, quand il a été baptisé, dans Matthieu 4, il s'est rendu, le Saint-Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour qu'il soit éprouvé. Amen. Il a passé 40 jours dans le désert. Bien aimé, si on n'a pas mangé les jours pour finir les gènes, on aura quand même faim. Mais Jésus avait faim. Satan a vu Jésus avait faim. Mais il vient vers lui pour lui tenter. Ah, mais toi qui dis que tu es fils de Dieu, mais transforme seulement ces pains et ces pierres. En pain, tu vas manger, tu seras tranquille. Mais parce qu'il savait, est-ce que dans la vie du Christ, il n'avait pas transformé le pain? Il a transformé le pain. C'était rien pour lui. Mais comme c'était Satan qui l'ordonnait de le faire, il ne pouvait pas faire, sinon il obéissait à Satan. Voilà pourquoi Jésus a dit, non, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc il a essayé pour seulement prendre l'autorité sur lui. Mais Jésus savait comment détourner. Il n'a gagné seulement dans la parole aussi. Il est écrit. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Donc Satan a failli partager Jésus. Mais il ne savait pas. C'est lui-là qui est venu pour mettre fin à son occupation. Amen. Il ne savait pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Si on parcourt la Bible, nous allons nous rendre compte que la vie, notre vie, Dieu, pour nous bénir, il faut qu'on passe par un moment difficile. Ce n'est pas qu'il est méchant. Non, Dieu n'est pas méchant. Mais seulement, Dieu veut nous faire comprendre quand nous aurons cette bénédiction, que nous sachons que c'est lui qui nous a donné. Amen. Parce que si toi tu es déjà béni, si Dieu vient encore t'ajouter sa bénédiction, un jour tu diras non. Moi, si je suis béni, c'est par mes propres mains, parce que j'étais déjà riche. Mais voilà, la bénédiction de Dieu, il faut que ça vienne dans nos vies. Il faut qu'on se retrouve par terre, qu'on se dépende seulement de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi c'est la période où tu étais bien dans la vie. Quand maintenant la bénédiction de Dieu arrive, tu perds tout pour avoir rien et que Dieu te bénisse après. On dira que non, ça c'est méchant. Mais non, ce n'est pas méchant. Parce que Dieu sait pourquoi. Pour que tu enlèves l'image que j'étais déjà bien. Parce que si tu étais déjà bien, tu vas dire que non à l'Éternel. Oh, peut-être l'image juste épaulée, j'étais déjà bien. Moi, quand je suis venu vers le Seigneur, j'étais déjà bien. Or, que tu oublies que ta bénédiction, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. C'est lui qui est énormément riche. Quand il vient à l'église, si il dit, ah mais pasteur, ton enseignement, moi je veux que tu prêches, dis ça. C'est parce qu'il dit, non, moi je prêche selon les directives de Dieu. Amen. Selon la parole que Dieu met dans ma bouche. Il va dire, ah non, moi j'ai mon argent, je vais construire l'église là-bas, je vais mettre un pasteur. Parce qu'il a, c'est bien. Vous voyez?
Mais celui qui n'a rien, il va dire, ah non, je vais aller là parce que je vais entendre la parole de Dieu. Parce que Dieu, si j'écoute sa parole, je vais rester. Il fera quelque chose pour moi. Amen. Amen. Lui, il va se défendre de l'éternel. Amen. Vous voyez, voilà pourquoi l'homme qui était riche, qui est venu vers le Seigneur, pour demander au Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume, hein, que dois-je faire? Jésus lui a dit, non, il a donné les commandements. Tu vas obéir à tes parents. Tu ne vas pas insulter, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Il dit, oh non Seigneur, oh ça c'est facile, moi je le fais. Chaque jour je respecte tout ça. Jésus, la Bible dit, Jésus l'a aimé. Parce que le monsieur était riche, mais il craignait Dieu. Mais quand il a posé la question à Jésus, que dois-je faire pour mériter le royaume des cieux? Jésus lui raconte seulement que non, obéissez à toutes les lois. Là, tu seras, tu verras le ciel. Amen. Non, moi je fais ça. Quand il a dit à Jésus, moi je respecte tout ce que tu dis, je le respecte. Je fais attention pour ne pas tomber. Les apôtres étaient avec Jésus. Donc, les apôtres, je crois, ils ont dit, oui, lui, vraiment, lui, il mérite, lui, il va encore à nous. Parce que lui, il marchait déjà, il craignait Dieu. Mais quand Jésus lui a dit, bon, vas-y, vends tous tes biens, donne aux pauvres, suis-moi. Il a dit, ah! C'est ça la condition? Ah, non, 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 non. Moi, je ne souviens pas. Moi, je ne vais pas vendre mes biens. Je ne vais pas donner aux pauvres. La Bible dit, il a été attristé, il est parti. Donc, Dieu seul sait s'il s'est repenti après. Hein? Mais ça, je lui poserai la question quand on se retrouvera au ciel. Amen. Là, je lui poserai la question, qu'est-ce que tu avais? Donc, quel était comment quand tu as laissé le message de perdre tout pour suivre le Seigneur? Celui-là, j'ai oublié pas cette question de lui poser. Si on se retrouve au ciel, amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le désert. Le désert, quelle que soit ta condition, le désert finira par arriver dans ta vie. Amen. Parce que c'est seulement le moyen où Dieu va te prouver pour que tu passes d'une étape à l'autre, d'un niveau à l'autre. C'est seulement le seul moyen que Dieu va utiliser pour que tu montes de classe supérieure. Amen. Parce que on est là, comme on est là, on n'est même pas avec la foi en nous. La foi vient. Mais quand la foi vient en nous, il faut que ça grandisse à l'intérieur. Amen. Mm-hmm. Mais on commence dans le domaine spirituel. Après, on va grandir. Mais si toi, tu ne grandisses pas, dans la chair, tu grandis, mais dans ta foi, tu restes toujours bébé. Donc, pour toi, ça serait difficile. Voilà, il faut que Dieu lui-même descende pour te former, pour t'apprendre comment tu dois marcher. Dieu, s'il nous met à l'épreuve, c'est juste pour voir notre attitude à son égard. Parce que sinon, on va faillir. Sinon, on va tomber. On va l'oublier vite. Voilà. Dieu nous laisse le temps de lui chercher. Quelles que soient les difficultés qui arrivent dans nos vies, bienvenue dans le Seigneur. N'oublie pas que l'Éternel est là. Amen. Amen. On peut se retrouver dans une situation difficile, très difficile même, que tu ne peux pas t'en sortir. Satan te met des cales partout. Tu vas à gauche, rien ne marche. Tu retournes à droite, rien non plus. Tu vas devant, rien. Derrière, rien. Tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Mais regarde, tu regardes en haut, regarde ton pied. Le Seigneur est là. Il attend que toi, tu lui donnes ce pas ton cœur. Parce que dans notre vie, quand on vient vers le Seigneur, on vient comme il est. Il nous accepte dans notre état brut, comme nous sommes. En venant vers le Seigneur, c'est lui qui va maintenant nous modeler à sa amen, façon. Amen, c'est amen. Lui qui va nous tailler amen. Pour qu'on soit, vraiment la pierre où il va nous placer dans un endroit pour son église. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, il ne faut jamais qu'on oublie.
on vient dans le Seigneur, quand nous